Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire. Omniscient, Sadio Mané a réagi après la défaite des restes de Liverpool face à Chelsea. Donc, s'adressant à Talksport, après le match, le Sénégalais a admis que les restes n'étaient pas assez bons et a déclaré que c'était un moment déterminant pour l'équipe de Liverpool dans sa quête pour devenir champion. Actuellement, équipe d'Or d'Europe, mais on doit se relever et revenir beaucoup plus fort. La meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Donc, ça a été un match qui a gagné. Chelsea a gagné. L'équipe de Liverpool a gagné. La meilleure équipe a gagné. Je félicite les Blues de Chelsea. C'est ce qu'on appelle être fair play et reconnaître la défaite. Mais en premier mi-temps, nous avons bien joué et créé de nombreuses occasions. C'est vrai, Sadio Mané a buté deux fois sur Kepa Arrizabalaga de grand soir. Mais nous n'avons tout simplement pas marqué, on a eu une chance de marquer. Vraiment, Liverpool a tenté hier par rapport à, donc, au match face à l'Atlético Madrid et à Watford. Liverpool s'est bien démené face aux Blues de Chelsea. Et Chelsea a eu quelques occasions et a marqué. Celle-ci a été beaucoup plus réaliste. Nous avons un autre match important samedi. Samedi, on a un match important face à Bournemouth en championnat. Puis mercredi, face à l'Atlético Madrid. Donc, pour ce match, nous serons prêts et nous reviendrons beaucoup plus fort. Donc, Sadio Mané lance un appel à Bournemouth ce week-end et à l'Atlético Madrid. Donc, la semaine prochaine, pour le match de tour des 8e de finale de la Ligue des Champions. Liverpool, nous sommes prêts et nous allons revenir beaucoup plus fort. Donc, Sadio Mané menace les équipes et Sadio Mané lance un avertissement. Liverpool, Koko Moy Toul, Khairbe Dalaye Dal. Donc, Sadio Mané a reconnu la défaite. Sadio Mané reconnaît la baisse de régime de Liverpool. Mais Sadio Mané et Liverpool sont prêts à en découdre avec Bournemouth et l'Atlético Madrid. Donc, Gaïne Ndiaye, Warul Tid, Warul Ragal. Sadio Mané, sous nos fiertés. Nous sommes Sénégal, Guinée-Bissau, Fédération, nous avons préparé beaucoup. Selon l'organisation, des dispositions particulières seront prises, surtout pour la sécurité sanitaire, parce qu'actuellement, avec l'avènement du coronavirus, il faut que nous ayons des mesures et des dispositifs donc, sanitaires drastiques pour bien donc, le coronavirus. Donc, que tout soit au point à l'adjour le 23 mars. Donc, selon l'organisation, nous avons fait le pareil à moins d'une semaine de la rencontre, le 23 mars, parce que la rencontre nous aura le 28 mars. Donc, le 23 mars, il faut que les poules soient comme ça, on va aller vers le match avec toute la sérénité requise. Donc, tout sera prêt au bon moment. Et bonne nouvelle, au stade Ladior, le ballon d'or de Sadio Mané sera présenté. Donc, Thiès n'est plus un stade départemental ou régional, c'est un stade national, ça c'est vrai, parce qu'on joue là-bas les matchs internationaux de l'équipe nationale du Sénégal. Le seul stade capable d'organiser et d'accueillir un match international, c'est le stade Ladior de Thiès. Donc, il faut le traiter comme tel. Donc, lol, qui dit, donc, oui, c'est un roi. Mais, quand même, il faut qu'il y ait des moyens de le traiter comme tel, parce que c'est à vous de gérer le stade. Mais, donc, nena, vraiment, le ballon d'or de Sadio Mané, c'est la présenter. Donc, si vous voyez le ballon d'or de Sadio Mané, vous allez au stade Ladior le 28 mars face à la Guinée-Bissau. On va présenter le ballon d'or de Sadio Mané au public sénégalais. Parce que depuis lors, Sadio Mané n'est pas venu au Sénégal pour présenter son ballon d'or. Donc, vainqueur de la Coupe arabe, les Lyonceaux, ce vendredi soir à Dakar. Donc, nous allons préparer AIBD et accueillir nos chers Lyonceaux. Parce que vraiment, Defnane, donc une belle performance. Nous invitons-le, nous allons prendre donc coupe vraiment grandiose, mais il y a une bête parce qu'ils ont donc ils sont imposés face à la Tunisie 1-0 grâce à un but de Samba Diallo. Donc nous sommes venus ici ce vendredi, donc sous le ici ce vendredi soir. Donc nous l'année réservée accueil bon dernier 12e gagné et supporter du Monadem l'endem accueillent parce qu'ils font la fierté du Sénégal. Donc tournoi UAFA, donc après les Lions U20, les Lions U17, donc invités. L'annonce avait été faite à la veille du coup d'envoi de la Coupe arabe. Donc le Sénégal et le Madagascar, invités à cette compétition, pourraient prendre part donc, à un autre tournoi, donc réservé cette fois-ci au moins 17 ans. Donc Lions U20 est invité, Lions U17 aussi nous les doit invité à ce genre de tournoi fléchier, donc Arabie Saoudite. Donc vous les invitez aussi, déjà l'invité de Magui Diarre. Donc, il faut dire les hommes, dès la fois, U20 est le même, mais aussi le même. Parce que les petites catégories sénégalaises commencent à s'imposer donc, en Afrique et partout dans le monde. Donc, vous savez aussi, vraiment, le Sénégal va jouer la finale de la Coupe UFOA, donc zone A, Folletier, face au Mali. Donc, Mali-Sénégal, samedi 7 mars, 16h30, GMT, samedi bilan. Donc, on aura la finale de la Coupe UFOA des Lyons, hein, des Lyons. Donc, U20, nous allons jouer leur finale de Coupe UFOA. Donc, Goni, U20, nous allons jouer, Digeni, Eskeni, ça sera face au Mali. Donc, Mamoussé, entraîneur des Lyons,
vraiment une grande fierté de se retrouver en finale. Vraiment, ça c'est une fierté pour le football sénégalais. Donc Rayo Vallecano, Abdoulaye Ba intéresse le Deportivo La Corogne. Donc Abdoulaye Ba, mais il a un autre temps déjà parce qu'il a des problèmes avec le Rayo Vallecano. Donc il intéresse le donc Deportivo La Corogne, l'ancien club de Diego Tristan, donc de Djalmina, de Juan Carlos Valeron, de Noureddin Naïba. Donc vraiment, c'était la grande époque donc de Roy Mackay, la grande époque de donc du Deportivo La Corogne dans les années 2000, 2001, 2003. Donc Saint-Étienne, donc Assane Diouzé améliore son temps de jeu. Actuellement Assane Diouzé, il commence à temps de jeu. Donc c'est la bonne guerre hein, pour Assane Diouzé parce que moi aussi il vise toujours l'équipe nationale du Sénégal. Il espère revenir en équipe nationale du Sénégal. Donc Ismaël Assar est fan de Marseille United. Donc Ismaël Assar Nena, j'ai toujours voulu jouer en Premier League et donc je suis fan. Donc tout petit, j'adorais regarder Marseille United. Est-ce un clin d'œil à Manchester United parce que Ismaël Assar, qui est supporter de Manchester United, condamné tout le monde, qui l'a gagné Liverpool. Vous savez aussi Ismaël Assar, c'est un fan de Manchester United. Est-ce que Ismaël Assar ne voudrait pas rejoindre Manchester United? En tout cas, c'est un grand club que pourrait rejoindre Ismaël Assar. Donc, vous savez, en France, il y a un problème. Donc, parce que Verratti est suspendu, Gandagay, Paredes, donc ils ont c'est un duo, c'est fort probable de jouer face à Dortmund parce que Herrera est blessé. Donc, ils ont ils ne peuvent pas jouer, car ils ont joué. Donc face à Lyon, Ganagé mouje gen may Verratti place, mais gis nañ né en France donc les gens ne sont pas convaincus du duo ñom ñaar né Paredes ak Ganagé c'est un duo bi vraiment donc ça ne donne pas la confiance gars wouru ñu len trop mais quand même c'est le duo qui reste au Paris Saint-Germain, c'est le duo de milieu défensif qui devrait tenir sa place donc face à Dortmund. En tout cas avec Ganagé on peut s'attendre à un excellent match face à Dortmund parce que moi commencé yow et on espère que Ganagé va confirmer les rendre au match retour face à Dortmund. Donc mon gars Ndiaye warul ti warul ragal.